tout est super génial. Tout est cool quand tu joues dans la même équipe. Tout est super génial. C'est un rêve magique. Coucou Océane. Coucou. Est-ce que ça va aujourd'hui ma chérie? Oui. Alors les petits copains, on espère aussi que... Et aujourd'hui, on n'est que toutes les deux. Et oui, ouais. Parce que Corentin n'est pas là. Alors, comme on est dimanche, aujourd'hui, c'est la vidéo d'une nouvelle... recette. Ouais. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire comme recette? On va faire des nounours en guimauve. Alors, plus précisément, une recette style nounours à la guimauve, parce qu'on n'a pas de moule en forme de... de nounours. Et oui, on n'a pas de moule en forme de nounours. Donc ce sera une recette style nounours à guimauve, mais ça aura le même goût. Ouais, mais on va faire des moules ronds et carrés. Et oui, on va faire d'autres moules. Ouais. Alors est-ce qu'on dit ce qu'il faut pour cette recette, Océane? Oui. Pour cette recette, il nous faut quoi, Océane? 252 chocolat. 252 chocolat au lait. Ensuite? Il nous faut des chamallows. Des chamallows, donc il nous en faut 100 grammes, les amis. Donc nous, on a pris que les quelles couleurs? Les blancs. Les blancs, ouais, pour faire comme le blanc des nounours à la guimauve. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Des moules. Des moules, donc voilà, vous voyez, nous on a quoi comme forme? On a des carrés, des jolis... cœurs. Et des... jolis ronds. Voilà. On dirait la tête qui est ronde. On n'avait pas de nounours. Ouais. Et les petits amis, il vous faut des moules en silicone, c'est très important. Ouais. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut là? C'est quoi ce verre? C'est une cuillère à soupe de l'eau de café. Alors oui, c'est une cuillère à café d'eau qu'il nous faut pour cette recette. Et ensuite, qu'est-ce que tu as dans les mains? Un pinceau. Un pinceau culinaire. Pas un pinceau pour faire la peinture, les enfants. Hein? Non. Ah non, vous prenez celui de la cuisine, pas pour faire la peinture. Hein? Sinon, ça va pas marcher. Hein? Il faut faire quoi pour commencer la recette? Il faut fondre le chocolat au micro-ondes. Oui, on va faire fondre le chocolat au micro-ondes pendant 30 secondes. Et on va faire ça deux fois. Il ne faut pas le faire trop chauffer, sinon on va le faire brûler. Si vous voulez, vous pouvez aussi... il va cramer aussi. Oui, il va cramer. Et si vous voulez, vous pouvez aussi le faire au bain-marie. Donc Océane va faire chauffer le chocolat. Alors voilà, le chocolat est bien fondu. Alors maintenant, nous allons le mettre dans les moules avec le pinceau. Donc je vais t'aider ma chérie parce que c'est délicat. Les amis, j'ai rejoint Océane et là nous allons prendre donc le moule. On a pris quoi comme forme? Les cœurs. Les cœurs. Et on va prendre le chocolat qui est tout fondu, là vous voyez. Donc on va prendre le chocolat et on va en mettre dans les cœurs. Hop, alors on trempe dedans, hop, un petit peu, il y a un peu beaucoup là. Hop, là. Et là qu'est-ce qu'on va faire Océane? Hop, prends le pinceau et tu fais comme si tu peignais des petits cœurs. On va en mettre dans chaque petit moule. Hop. Bon, on va essayer de bien en mettre. C'est pas évident parce qu'ils sont très petits les moules. Donc là, on va essayer de faire bien tous les moules. Oui, mais je suis toute belle. Oui, tu te fais toute belle. Avec mon vernis et mon soc. Alors n'hésitez pas, les amis, à bien en mettre. Il faut qu'il y en ait vraiment de partout. Qu'il n'y ait pas de trous. Hop. Vous voyez. Alors, c'est sûr que c'est l'opération la plus compliquée. Mais vous allez voir, c'est super important. Et voilà les petits amis, on a terminé. Donc voici ce que ça donne. On a raclé un peu les bords. Océane est en train de lécher le chocolat. Il nous reste du chocolat dans le bol qu'on va utiliser après. Et là, qu'est-ce qu'on va faire avec ce chocolat là? On va les mettre au frigo. On va les mettre au frigo pendant 10 minutes. Allez, on met ça au frigo. Et pendant ça, on va préparer les chamallows. Alors Océane, qui a la bouche pleine de chocolat, dis-moi, pendant que les chocolats sont au frigo, qu'est-ce qu'on fait alors? Ouais, on prend l'eau. Enfin, Océane a la bouche pleine.
On prend l'eau et on fait quoi? Tu la mets dans les chamallows, c'est ça? Non, vas-y, verse. Grosse gourmande. Hop, hop, hop. Donc, on verse le verre d'eau dans les chamallows. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant avec les chamallows? On va les mettre pendant 30 secondes au micro-ondes à pleine puissance. Allez, ben vas-y, va les faire chauffer. Et voilà les amis, on a sorti les chamallows du micro-ondes. Regardez comme ils ont gonflé. Oh là 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 là. Ils sont énormes. Ils sont énormes. Alors maintenant on va les remuer. Hop, tu les remues? Et ça va faire une pâte. Ça va faire trop rigolo, tu vois, ça va faire une pâte de chamallow. On remue, on remue, on remue. Bien, 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 bien. Et ça, on va le mettre à l'intérieur de quoi alors? À l'intérieur du chocolat. Eh oui. D'ailleurs, une fois que c'est remué, on va pouvoir aller chercher les chocolats pour mettre la guimauve à l'intérieur. C'est, ça commence à être une pâte. Oui, ça commence à être une pâte. Allez, on remue, on remue, on remue. C'est comme ça, ça sent le chamallow. Ah bah oui, ça sent le chamallow. Si tu tiens le saladier, ce sera plus facile. Voilà. Merci, les kids ne savent pas. Allez, on va chercher les chocolats? Oui! Oui. Et voilà, les petits amis, on les a sortis où? Ces chocolats du frigo. Voilà, à quoi ça ressemble? Ils sont bien frais. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur? On met la guimauve. Alors là, il faut y aller tout doucement. Donc je te montre, Océane. Hop, on fait comme ça. Et là, on laisse tomber. La guimauve. Ah, on l'a mis partout, maman, on l'a mis partout. Bon, c'est un peu la catastrophe, les enfants. On va y arriver. Après, on enlèvera un peu ce qui dépasse sur les bords. Hein. Tu fais avec maman? Allez, tiens. Vas-y. Fais ça un petit peu. Donc, faites attention, les enfants. C'est bon, c'est pas très très chaud, mais c'est un peu chaud. Donc, faites-le quand même avec l'aide d'un adulte. Ah, j'en ai mis partout au doigt. Oh, il y en a partout, ça fait des fils, c'est trop rigolo. Alors, on va remplir tous ces petits cœurs et tous les petits ronds qui sont restés au frigo. Et après, il faudra recouvrir de... du reste de chocolat. Alors voilà, on a terminé. Voilà ce que ça donne. On a essayé de nettoyer un petit peu autour parce que c'était un peu tout sale. Hein. Il y a des villes partout. C'est rigolo à faire les enfants parce qu'on s'en met vraiment de partout. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre au... Pourquoi? Au four. Au frigo, pas au four. On va le mettre au frigo pendant une dizaine de minutes et après, on va le recouvrir de... De quoi, là-bas? Chocolat. Allez, on met ça au frigo. Donc voilà, on est revenu avec notre chamallow un peu plus durci. Voilà, et on va mettre le chocolat par-dessus. Alors, parce qu'il nous restait du chocolat de tout à l'heure. Ouais, fais pas tout tomber, hein. Allez hop, alors Océane, on met dessus. Toi qui mets dessus. C'est moi qui le mets dessus. Donc on recouvre tous les petits chocolats. Enfin, tous les petits nounours. Lécher ça. Après, on lâchera Océane parce qu'on a besoin encore un petit peu de chocolat. On dirait que t'aimes ça le chocolat, non? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'on a terminé? Vous voyez, les amis, on a tout recouvert. On a fait quoi, là? On a recouvert les moules au chocolat et au chamallow. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ces moules? On va les mettre au frigo. Pendant combien de temps on va les mettre au frigo? Pendant 2 heures minimum, pour le temps que ça prenne. Alors, c'est parti, on met ça au frigo, Océane. Allez. Allez. Non, on met les moules au frigo. Oui, Alors voilà, donc là on met des moules, hop, tu vois, il faut appuyer comme ça, voilà, et on le met direct. Oh, c'est joli. Regardez les petits amis comme c'est joli. Voilà, on va tous les mettre dans l'assiette. Alors il fait très chaud, comme c'est l'été et qu'il fait très chaud. On va se baigner. Ouais, on va se baigner après, donc là, hop,
On essaye de pas trop les toucher avec ses doigts. Il y a un petit cœur ici au milieu. Ah oui. On essaye de pas trop les toucher avec les doigts et on les démoule tous. D'accord. Parce que sinon ils vont fondre. Et sinon ils vont fondre. Oula. Oh, parce que c'est l'été. Ouais. Hop. Allez, on les démoule tous. Donc voilà, on a terminé. Que ça a l'air bon. Est-ce qu'on goûte? Ouais. Ouais. Alors faut dire qu'on a fait cette recette parce que c'est les. C'est les chocolats préférés de maman, mais chut, faut pas le dire. Et les miens aussi. Oui, Océane aussi, elle aime bien. Ah oui, vous avez pu voir, les amis, qu'on a changé l'assiette parce que l'autre était un peu grosse. Donc on goûte? Oui. Allez, moi j'en goûte. Moi je goûte encore. Alors franchement, les amis, on dirait les vrais... Les vrais nounours à guimauve que vous trouvez dans le commerce. Sauf que là, c'est vous qui les avez fait. Un petit pouce commun pour cette recette. On dirait des nounours bonbons. Chocolat. Trop bon. Est-ce que c'est bon? Oui. Oui ou non? Oui. C'est le goût des vrais nounours. Ouais, c'est le goût des vrais nounours. Alors les amis, on espère que cette vidéo vous a plu. Dites-nous le dans les commentaires. Dites-nous si vous avez déjà essayé de le faire vous-même. Chocolat. Oh oui, chocolat aussi, on aime bien. Dites-nous dans les commentaires si vous aimez le chocolat. Tiens par exemple, les nounours à guimauve. Si vous aimeriez refaire cette recette. Aussi, si vous avez d'autres idées de recettes, ça nous ferait plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un petit... pouce en chocolat vers le haut. N'oubliez pas, si c'est pas déjà fait, de vous abonner. Océane a la bouche pleine de chocolat. Et en attendant la prochaine vidéo, on vous dit ciao ciao les amis. Tu fais un bisou? Mouah. Bisous choco. Ciao ciao les amis, à la prochaine.